En 7 s'il te plaît. Ok, on va voir ça. Ok, on va voir qu'est-ce qui se cache derrière. Pop art en 9. Wouah, ça va être incroyable. Mais avant, faut juste trouver le 9. Il est où? Il est là. J'espère que vous êtes prêts, ça va être incroyable. Let's go. Bam, on peut commencer. Alors premièrement, si tu veux pouvoir reproduire ce style de dessin, tu devras faire ton dessin normalement. Mais juste avant de t'expliquer ce que c'est le style pop art, je voulais tout simplement vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir dans mes vidéos. Parce que pour ceux qui ne le savent toujours pas, cet été j'ai eu un énorme déclic, hein, ce qui m'a vraiment fait changer de style de vidéo. Et croyez-moi, changer de style de vidéo, même si t'as 850 000 abonnés, c'est hyper compliqué. Et surtout mentalement. À part ça, on peut enfin commencer le style pop art. Et comme tu peux le voir, je suis en train de mettre plein de points. Ce qui n'est pas réellement compliqué, je te l'accorde. Mais le fait de devoir faire une centaine de points de même taille, c'est un peu compliqué. Sinon, à part ça, toutes les personnes qui sont en train de regarder la vidéo actuellement. Ah là là, j'aime bien cette phrase. Commentez LeBron James. Comme ça, t'as capté, je peux vraiment voir qui sont les vrais qui restent jusqu'à la fin. Sur ce, voici le résultat.